Mesdames et messieurs, c'est avec regret que nous avons appris le décès ce mercredi 14 octobre 2020 de Dr Boufal, ancien inspecteur de l'éducation et de la formation de Kédougou, ancien inspecteur d'académie de Kédougou par intérim et qui occupait jusque-là les fonctions d'inspecteur d'académie de Louga. Durant tout son séjour à Kédougou, Dr Boufal a marqué les esprits par sa rigueur, son humilité, sa simplicité. Ce recueil de témoignages vous en dira un peu plus sur l'homme. Archives du Bureau Partenariat Genre et Communication de l'Inspection de l'Éducation et de la Formation de Kédougou. Vous vous en doutez que je prends la parole en cette auguste assemblée dédiée à un grand homme. Un homme grand, vraiment grand, intellectuellement et moralement. Un homme grand, mais aussi un homme sympathique. Un homme grand, mais aussi un homme plein d'énergie. Un homme grand, mais aussi un homme d'une simplicité qui frise, n'est-ce pas, toute modestie. Monsieur Boufal, vous avez été un administrateur élégant et charmeur dans la mesure où vous avez incité vos collaborateurs au travail. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, sous votre règne, nous avons connu des tendances haussières par rapport aux performances scolaires des élèves. Monsieur Boufal, vous vous êtes bien inscrit dans la lignée des grands hommes. Ces grands hommes-là qui ont marqué l'histoire de par leurs œuvres, de par leurs exploits. Ces hommes qui ont marqué, n'est-ce pas, l'histoire d'une empreinte indélébile. Vous faites parmi de ces hommes-là, ces hommes qui continuent jusqu'à aujourd'hui à nous inspirer dans tout ce que nous faisons, à nous inspirer dans nos comportements, à nous inspirer dans nos attitudes, bref, à nous inspirer dans notre psychologie. Monsieur Boufal, vous allez nous manquer. Vous nous manquerez non seulement en raison de votre professionnalisme, mais vous allez nous manquer également en raison de votre bonne humeur, toujours prêt pour ceux-là qui viennent dans votre bureau. Mais aussi, vous allez manquer un autre groupe, ce groupe de dimanche, n'est-ce pas, qui sous l'arbre à palabres au niveau de la maternelle, souvent, vous passez là-bas les dimanches et nous discutons de tous les sujets, sans tabou, sans retenue. Ce n'était pas avec l'inspecteur d'académie que nous discutions, mais c'était avec un frère, c'était avec un ami, c'était quelqu'un, n'est-ce pas, qui était prêt à partager. Et nous avons retenu beaucoup de choses à travers ces discussions-là. Et c'est à travers ces discussions-là, un jour, que j'ai su que vous étiez également un docteur en décentralisation. Et ce jour-là, vous étiez en train d'administrer de très bonnes leçons à des élus locaux qui étaient parmi nous.